Grâce à la recherche en génétique, on sait depuis longtemps que protéger et transmettre ses gènes est un des piliers du comportement animal. Résidente de la côte pacifique américaine, l'Anthopleura elegantissima a radicalisé cette approche. Pour se reproduire, elle peut libérer des spermatozoïdes et des ovules dans l'océan pour que les courants permettent aux uns de féconder les autres. Mais cette anémone est aussi capable de se cloner. Elle se divise comme une cellule. La division cellulaire permet à cette anémone de coloniser son environnement en produisant des copies d'elle-même génétiquement identiques. Plus il y a d'individus identiques, plus l'espèce a de chances de survivre aux deux marées basses quotidiennes de son habitat. Grâce au clonage cellulaire, chaque anémone s'assure que son territoire soit uniquement peuplé d'individus portant son ADN et aucun autre. Enfin, jusqu'à ce que deux colonies d'Anthopleura elegantissima ne se retrouvent tentacule contre tentacule. Ces deux adversaires appartiennent à la même espèce, mais possèdent un ADN qui leur est propre. Ils se livrent donc une guerre constante pour s'approprier le territoire de l'autre. Les individus sur le front du combat ont développé des matraques urticantes au bout de leurs tentacules. Ils s'en servent pour empêcher toute tentative d'incursion de l'ennemi derrière ces lignes. Ces soldats du front succombent souvent sous les coups répétés. Enfin, ils succombent sans succomber, puisque chacun d'eux est la copie conforme de son voisin. En résumé, qu'importe les morts, l'armée n'a qu'à cloner ses soldats et poursuivre cette guerre interminable.